Valeu. Dupla gol! Qui est la fin de ce tournoi-là aussi. Hey, je n'étais même pas sur le planning, mais j'ai dit si tu veux me faire un trou, parce que moi, vous le savez, je suis déneigeur. Fait que d'après toi, qu'est-ce que tu penses que je vais aller faire après? Je suis peiné de ne pas pouvoir passer la journée avec vous autres. Vous avez vraiment une énergie écœurante. Écoute, je capote, c'est... Wow, c'est malade. Le courage de nos convictions, encore de l'attraction! Puis on va continuer de leur prouver en faisant des petits tout le tour de nous autres. J'ai passé la semaine encore à recevoir des messages de gens qui me disent « Merci, mon chum vient de déclocher, mon chum vient de couper la TV, ma blonde s'est réveillée, on a coupé le câble, puis on regarde la vie! » À chaque fois qu'on sort dans la rue, ils nous accusent de propager le virus. Mais depuis le mois d'avril, j'ai jamais rencontré personne de malade. C'est rare, mais je manque de mots aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. On est venu chercher ici de l'énergie. Je me fais dire à toutes les semaines, merci, tu nous donnes l'énergie de continuer, de mettre un pied en avant, de continuer de dire ce qu'on a à dire. De continuer d'exiger qu'on soit respecté. Mais moi, aujourd'hui, je suis venu ici pour charger votre énergie. Merci! Puis, by the way, tant qu'à avoir passé dans toutes les merdias, fuck you, le gars! Il y a des gens qui demandent un débat public depuis longtemps. Nous autres, on a juste fait un petit fuck you Lego puis on a créé une petite brèche parce que les merdias courent après nous autres pour avoir notre version. Peut-être qu'ils pensaient de nous déboutonner, mais ils n'ont pas réussi, je pense. Sortent le monde en arrière! Je le sais, ils sortent le monde en arrière, hein, c'est smart. On vous remercie, service de police du SPVM, vraiment... Vous êtes très collaboratif. On vous demandera de continuer d'être pacifique, s'il vous plaît. On l'a toujours été. De toute façon, c'est juste un ticket qu'ils vont vous donner, tu sais. Fait que prenez-les avec un sourire. Souhaitez-leur joyeux Noël. Mesdames et messieurs, si vous voulez que ça continue, s'il vous plaît, faites un petit effort. Tentez de mettre un cache-cou ou un foulard ou tentez de vous distancer un petit peu, s'il vous plaît, parce que sinon, on n'aura pas le temps de parler à Max Ouimet et à Dave Leduc. Donc, s'il vous plaît, faites un petit effort. Policiers, un peu de charité pour Noël, s'il vous plaît. On est des personnes pacifiques. On utilise notre droit de revendiquer. Je vous demanderai, s'il vous plaît, un peu de patience. Je vous en supplie. Merci. C'est là qu'on est rendu dans notre société. On va devoir crier plus fort. Allô? On va devoir crier plus fort. On va devoir parler. Acceptez la confrontation. L'autre côté de la médaille, ils n'ont jamais arrêté de nous insulter. Ils n'ont jamais arrêté de faire face à la confrontation. Acceptez la confrontation avec un sourire et dites-leur que je fais confiance à mon système immunitaire et je vous remercie. Hey! Je nous aime! J'aime aussi les gens qui ont peur. Ça fait 9 mois qu'ils nous vendent la peur dans les merdias. Moi, je ne l'achète pas. On va proposer au restant du peuple d'arrêter de l'acheter. Fait que sur ça, je ne prendrai pas plus de votre temps. Vous avez une belle brochette d'orateurs aujourd'hui. Puis il y a des gens qui ont été impliqués pendant longtemps pour organiser cette journée qui est plus que mémorable. Je vous souhaite un joyeux Noël. Puis lâchez pas!